chemin de la mort, c'était pour moi. Oh, c'était pour moi, pour me délivrer de mon terrible sort. Jésus souffrit pour moi. Napesi binonyo sombote na kombo na Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Mes frères, on peut un tout petit peu s'élever. Et lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, verset 17. Verset 16 et 17. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Biso to ebaki bolingo oyo nzambe azwi mpona biso. Et nous y avons cru. Pe tondimaki kati na bolingo yango. Dieu est amour. Jambe ajali bolingo. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Pe ye oyo akoumela kati na bolingo yango akoumela kati na nzambe. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, lolenge ye ajali, tel nous sommes aussi dans ce monde. Lolenge yango biso pe tojali kati na mokili. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Ezali nde na yango wana nde bolingo ezali ya kobonga be kati na biso. Et que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ete tozwa bongo siki siki na mokolo yango ya kosambisama. Amen. Amen. Mubateli yango malamu ya bampate. Le bon berger de brebis. Zambe na biso. Notre Dieu. Tozongiseli yo matondi lisuna pokwa lelo. Nous te remercions encore ce soir. Parce que uta mokolo ya dimanche tozalaki awa obateli moko moko na biso. Parce que depuis le dimanche que nous étions ici, tu as pris soin de tout un chacun de nous. Et les lots aux huiles sous son conzo, la misonayo, potoziangana, zinga zinganayo. Et aujourd'hui, nous avons trouvé encore privilège à tes yeux pour que nous nous rassemblions en ces lieux. Tobondeli otata ete ofungula mato inabiso. Nous te prions, ô Père, que tu ouvres nos oreilles. Ofungula pe mite manabiso. Que tu ouvres aussi nos cœurs. Pe olobelabiso uta nalilobanayo. Et que tu nous parles de la part de ta parole. Yangonde toyeli awa. C'est pour cela que nous sommes ici. Totikeli o mokumba ya culte ya pokwa oyo. Nous te laissons la responsabilité des cultes de ce soir. O salana yango lolenge o monaki malamu ete salama. Que tu fasses selon cela vous semble bon de la manière que tu as vu que cela puisse se passer. Kasi miango ya oyo mabe. Mais les programmes du malin. O bebisa yango. Que tu les détruises. Nous sommes déjà là, mais les autres sont encore en route. De même que tu nous as protégés, protège-les aussi. Que tu penses à ceux qui sont malades. Que ceux qui sont, qui ont rétrogradé dans ce voyage. Et que ceux qui sont frappés dans leur cœur par un tel ou tel autre problème, que tu puisses les consoler. Merci Père pour avoir écouté nos prières. Sois avec nous au nom de Jésus Christ, ainsi que nous avons demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Balingami lelo to lingi to sukisa na oyetali la stature d'un homme parfait.
Aujourd'hui, nous allons terminer avec ce qui concerne la des noms parfaits. C'est parce que Nalikomi oyo totangaka na ebandeli ya 1 Pierre. C'est parce que à partir de l'écriture que nous avions lu au début au commencement de 1 Pierre, nao yetali botongami ya nzoto yango. En ce qui concerne l'édification du corps, to ya église wana ya Nzambe ou de l'église de Dieu, to mona kiti eza na mabanga sambo. Nous avons vu que il y a 7 pierres. Alors ya suka ezalinde mutu yango moko. Et la dernière, c'est la tête en soi. Et puis yasuka ezali bolingo ya Nzambe. Et la dernière, c'est la charité. Nde yango totangi na 1 Jean chapitre 4 verset 16. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous, Pébisso, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Biso to ebaki bolingo yango oyo Nzambe azwi pona biso. Et nous y avons cru. Pe tondimaki kati na bolingo yango. Dieu est amour. Nzambe ajali bolingo. Et celui qui demeure dans l'amour de demeure en Dieu. Pe ye oyo akoumela kati na bolingo yango azali koumela nde kati na Nzambe. Et Dieu demeure. Benjambe azali ko umela kati na ye bandeko. Mes frères, tolobaki ete moboko yango po na ndako oyo mo Kristo aza kotongama ezali kondima. Nous avons dit que la fondation, le fondement de cette maison que Dieu est en train de construire, c'est la foi. Pe brique ya mibale oyo elandi ezali vertu. Et la deuxième brique, c'est la vertu. Yamisato ne connaissance. La troisième, c'est la connaissance. Yaminei ne tempérance. La quatrième, c'est la tempérance. Yamitano la patience. La cinquième, c'est la patience. Yamotoba le piété. La sixième, c'est le piété. Yasambo de l'amour fraternel. La septième, c'est l'amour fraternel. C'est-à-dire bolingo yabandeko. C'est-à-dire l'amour fraternel. Alors, to mona kiango dimanche. Nous avons vu cela le dimanche. Mais to lingi to suki sanda ko yango na pokwa oyo soko ezayi mokano na nkolo. Nous voulons terminer la construction de cette maison ce soir, si telle est la volonté de Dieu. De yango to lobi l'amour ou la charité. C'est pourquoi nous disons l'amour ou la charité. L'amour wawa, il faut y bakezali l'amour divin. L'amour dont on a la question ici, c'est l'amour divin. Tomonaki, l'amour fraternel. Nous avons vu l'amour fraternel, bolinga bandeko. Et tolingi tomona l'amour divin. Sikawa, nous voulons voir bolingo ya Nzambe. Wanande ndako yango esuki. C'est alors que la maison est achevée. Wanande mondimi akoki penda. Alors que le croyant est devenu parfait. Ifandeli ya Nzambe na kati na nzoto na mondimi ekoki. La demeure de Dieu dans un croyant est arrivée à son terme. Parce que l'amour oyo totangi libanga ya suka ya mwambe. Parce que la dernière pierre que nous avons lue, l'amour, la charité, ezande mutu tope samba ya ndako. C'est la tête ou le toit de la maison. Fondement est tiami na ndak. La fondation a été déjà posée. Ba mur et mati. On a érigé le mur. Pe na sima nsamba ya ndako eye e fandi likolo ya ba mur. Et à la fin, le toit est venu au-dessus du mur. Et na kati na nsamba. Et dans le toit, charpente ezali. Il y a la charpente. Plafond ezali. Il y a les plafonds. Ba tôle ezali. Il y a des tôles. Tout ce qui est dans la toiture de la maison, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle la charité. Mais nous avons voulu montrer aux enfants de Dieu ceci.
tango tozala ki na eteni ya sambo yo babengi l'amour fraternel. Lorsque nous étions à la sixième pierre qu'on appelle l'amour fraternel, kuna tomona ki nzambe koloba na biso, là nous avons entendu Dieu nous parler. Tukuki kolinga te kaka bato yo bazali kati na nkolo. Nous ne pouvons pas aimer seulement ceux qui sont nos frères dans le Seigneur. Mais nous aimerons tout le monde et tout prochain. Même si dans la Bible il est dit, quand il y a l'occasion, que nous fassions du bien aux frères, mais beaucoup plus dans les frères, dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'on a exclu ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Quand nous aimons beaucoup plus les frères qui sont dans le Seigneur, nous aimerons aussi ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Mais s'il y a une occasion qui se fait qu'il soit deux, c'est-à-dire, et que tu n'as qu'une seule chose, et que tu veux aider l'un d'eux, tu aideras le frère dans le Seigneur. Amen. Amen. Atazali mwana nkasi. Même si c'est un neveu, atazali nokonayo. Même si c'est ton oncle. Mais Bible est claire. Mais la Bible est claire. Ce qui est pour ça, pour ça la malamu ezwami. Si l'occasion de faire le bien est là, bosa la kabola muyango et pas na bandeko kati na nkolo. Faites ce bien beaucoup plus dans le frère, dans le Seigneur. Likomi yango, cette écriture, ezali na Galates chapitre 6. Cette écriture se trouve dans Galates chapitre 6, verset 10. Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, Nabongo, pendant que nous en avons l'occasion, wana tozui epusango, pratiquons le bien envers tous. Tosala bolamo epai na banso. Et surtout, et mingi koleka, envers les frères en la foi. Kati na bandeko, kati na kondima. Amen. Amen. Normalement, esengeli zalande bongo. Normalement, ça devrait être ainsi. Tu n'as qu'une seule chose. Batomi balé ba se présenté liboso na yo bazana posa ya eloko wana. Des personnes se présentent devant toi qui ont besoin de ce que tu as. Liloba na nzambe lobi, la parole de Dieu dit, tango toza na occasion ya kosalisa, tosalisa bato nyonso. Si nous avons cette occasion d'aider, on peut aider tout le monde. Mais koleka penza. Mais beaucoup plus bandeko kati na le frère en Christ. Parce que nous avons un même Dieu. Liloba moko. La même parole. Tukokota lola moko. Nous entrerons dans un même ciel. Tuza pasteur moko. Nous avons un seul pasteur. Tuza église moko. Nous avons une même église. Soki ba finginga, ba go finga ndeko wana. Si on m'insulte moi, on va insulter aussi ce frère. Si on minimise moi, on va aussi minimiser ce frère. Alors, na occasion yo wana. Mais dans cette occasion-là, il n'y a qu'une chose. Ba telemi bato ba bale, et là, ils sont à deux. Bazana bo singa na yango. Ils ont besoin de ce que je. Moko azali kaka moto ndenge wana. L'un, c'est un frère, un quelqu'un moko comme ça. Moko azali ndeko kati na kondima. Et l'autre, c'est un frère en Christ. Yes, walobi. Jésus dit, pesa yambo yambo ndeko kati na kondima. Donne premièrement à ton frère en Christ. Amen. Amen. Il faut kondima yango. Il faut croire cela. Il faut pe ko salela yango. Et il faut les pratiquer. Ponanine. Pourquoi? Otinda ka barekete na yo. Tu envoies tes requêtes ici. Bobonde la ponangai. Priez pour moi. Que mon Dieu m'aide. Et les frères lèvent la voix. Et Dieu leur écoute. Et Dieu exauce. Et Dieu donne.
Et en ce même moment, l'autre que vous n'avez pas la même foi que lui, même si vous êtes frère dans la chair, il te minimise, il ridiculise ton Dieu, et il minimise même tes frères dans le Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui est, et tous deux ont besoin, Dieu dit, donne à ton frère dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. C'est bon. Et quand nous arrivons maintenant dans la charité, l'amour de Dieu, c'est l'amour fraternel que nous venons de parler. Mais dans l'amour de Dieu, la Bible dit ceci. Et nous, Bébiso, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Jambe ajali bolingo yango. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ici aussi, il faut que tu aimes Dieu, pe que tu aimes aussi la parole de Dieu. Parce que, Nzambe nde alinga biso. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, Yewana alinga ka liloba na Nzambe. C'est celui-là qui aime la parole de Dieu. Soko pe motalobi na lingi liloba na Nzambe. Et si quelqu'un dit que j'aime la parole de Dieu, Nambala moko azali nde kolinga Nzambe kolo liloba. Au même moment, il aime Dieu, le propriétaire de la parole. Kokabola bangote. Tu ne peux pas les séparer. Na bolingo wana ya Nzambe, cet amour divin nde alinga ki biso. Qu'il nous a aimés. Pe biso toye kondimela ye. Et après, nous avons cru en lui. Yende alinga biso liboso. C'est lui qui nous a aimés le premier. Zela totanga likomi moko na Ancien Testament. Attendez, nous allons lire une écriture dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Awa ezolo bamapona Israël. Ici, ça concerne Israël. Bisopetoza Israël et Ango. Nous aussi, nous sommes Israël en question. Car, Jambi, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Yo, jali libota mo santo pona Yahweh nzambe na yo. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Yahweh nzambe na yo aponaki yo. Pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Wete yo, jali libota o ezali yaye. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Katikati na mabota nyonso makutami na mabele. Mabota nyonso ekutami na mabele. Mabota nyonso ekutami na mabele. Nzambe aponika kayo. Dieu n'a choisi que toi. Katikati na mabota nyonso wana. De toutes les nations. Mpoete ozala. Libota yango ya ye. Pour que tu sois son peuple. O ezali ko appartenir kaka na ye. Qui ne lui appartient qu'à lui. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. J'ai dit pointe bino boleki mabota mususu na ebele que l'Éternel s'est attaché à vous. Ezali nde pona yango Yahweh akangami na bino.